Jusqu'à sa mort en décembre 2017, Johnny Hallyday a entretenu une jolie complicité avec Fabrice Luchini. Les deux hommes échangeaient régulièrement, et avaient coutume de se retrouver, quelques fois par an. Dans une interview accordée au Figaro Magazine ce vendredi 27 septembre, l'illustre acteur de théâtre revient sur les moments partagés avec Johnny qui l'ont profondément marqué. Fabrice Luchini retient notamment l'étonnante passion que l'hôtelier adorait les émissions de téléachat, qu'il dévorait chaque nuit, s'empressant au passage d'acheter tous les produits ménagers présentés aux téléspectateurs. Je me souviens d'après-midi avec lui. On discutait, et il me parlait de rôtissoir. Il faut savoir qu'à ce moment, il regardait toute la nuit le téléachat. Il me disait, tu sais, comme je ne peux pas aller dans les magasins, j'achète via le téléachat. Notamment des rôtissoirs, se rappelle Fabrice Luchini. Généreux, Johnny Hallyday était allé encore plus loin, en achetant d'un coup d'un seul 100 rôtissoirs, qu'il s'est empressé d'offrir à tous ses amis. Est-ce que tu aimes les rôtissoirs? Avait coutume de demander le chanteur à ses proches. Tous ceux qui répondaient positivement à la question posée repartaient alors avec ce drôle de présent. Fabrice Luchini n'a pas échappé à la question. Un épisode que l'acteur garde au plus profond de sa mémoire, tant Johnny Hallyday l'avait surpris ce jour-là, le surgissement de cette question avait quelque chose de troublant, « Tu aimes bien les rôtissoirs, toi ?» se rappelle-t-il.